Privés d'émerveillement, nous restons sourds au sublime. Voilà le titre du meeting de cette année. Une phrase qui a suscité beaucoup de réflexions, beaucoup de questions. Comment, au milieu d'une pandémie, peut-on parler d'émerveillement? Comment utiliser le mot sublime quand la réalité est tellement dramatique? C'est une phrase du philosophe juif Abraham Heschel qui a été reprise et mentionnée sur le livre plus célèbre de Don Luigi Giussani, Le sens religieux. Je souhaite à vous tous la bienvenue dans cette rencontre où on va essayer de comprendre le sens de cette phrase. On va le faire grâce au professeur Joseph Feiler. Je te remercie d'être ici avec nous. Je te remercie du sacrifice, surtout d'être venu ici. Je le remercie pour le sacrifice d'être venu de New York à Rimini. Merci. Joseph Feiler a été déjà présent dans beaucoup de rencontres au meeting. Il a parlé de droit, du droit européen, du droit international. Il a parlé du judaïsme et il nous a introduit à la Bible. Donc, on est très reconnaissant du fait qu'il a été disponible cette année à approfondir ce titre dans cette situation. Heschel, entre autres, a dû fuir de l'Allemagne à cause du nazisme. Il est parti aux États-Unis. Il a perdu beaucoup des membres de sa famille pendant l'Holocauste. Donc, le fait de trouver dans ses travaux cette phrase n'est pas du tout évident. Qu'est-ce que ce titre suscite en toi? Merci à tous. Vous savez que s'il en dépendait de moi, je ne manquerais jamais un seul meeting. Je voudrais, comme d'habitude, commencer par une prière au Dieu d'Israël. Que tu puisses accueillir les paroles de ma bouche face à toi et que les pensées de mon cœur montent vers le Rédempteur. Lorsque nous entendons le terme émerveillement et sublime, on pense d'habitude à quelque chose de fantastique dans la nature. En Italie, c'est facile, c'est un pays magnifique, le lac de Côme, la région amalfitaine, etc. Nous sommes face à la création de Dieu. L'émerveillement et le sublime sont une réaction quasi immédiate. Mais lorsqu'on connaît la pensée de Heschel, je ne crois pas que c'est cette forme d'émerveillement qu'il avait à l'esprit. Le terme français « émerveillement », son premier sens est celui-là, c'est merveilleux. Mais il y a un autre sens. J'envoie par exemple une lettre à un ami qui ne répond pas. J'envoie une deuxième lettre, il ne répond pas. J'envoie une troisième lettre, il ne répond pas. Et je peux dire « Je suis fâchée contre toi, je m'étonne de ton comportement. » En italien, le sens d'émerveillement peut aussi être négatif. Je m'étonne, le sens étonnement en français a cette ambiguïté. Je m'étonne de ton comportement. Et je pense être fidèle à la pensée de Heschel, mais je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi. Dans ce cas précis, je ne suis pas fâchée contre un ami qui répond à mes lettres, mais contre Dieu. Et je peux dire à Dieu, je m'étonne de ton comportement. Pourquoi? Et je pense que chacun d'entre nous ici, et chacun de ceux qui suivent à distance, et ça c'est encore une merveille, un émerveillement. Je pense que chacun, au moins
une ou deux fois dans la vie doit avoir cette pensée vis-à-vis de Dieu. Je suis fâché contre toi, je m'étonne de ton comportement. Et cela en deux sens. Tout d'abord, Bernard, tu as parlé de l'histoire personnelle de Heschel. Pensons au nazisme. Les nazis ont tué, ont assassiné des millions de juifs, de tziganes, d'homosexuels. Ils les ont torturés et tués. Ils étaient innocents. Leur seule faute était d'être juifs, d'être tziganes ou d'être homosexuels. Et on parle de millions de personnes. Et toi, Dieu, où étais-tu? Je m'étonne. Comment as-tu pu permettre que cela arrive dans ce monde que tu as créé? Je le répète, je ne pense pas que quiconque parmi nous n'ait pas éprouvé au moins une fois cette pensée. Et la deuxième occasion, deuxième situation, il y a un tsunami. Des milliers et des milliers de personnes perdent la vie en 2 secondes, ou un tremblement de terre. Et maintenant le Covid. Il y a des millions de malades. Un demi-million de personnes dans le monde sont décédées à cause du Covid. Toi, Dieu, où es-tu? Je m'étonne de ton absence. Tu sembles indifférent. Et la différence entre de ces deux exemples que j'ai cités, de cet affrontement avec Dieu, le premier, c'est la méchanceté humaine, le mal humain. Et le deuxième, qui est plus proche de la situation du Covid, je ne veux pas parler peut-être de la méchanceté de la nature, mais un malheur de la nature. Ce n'est pas une méchanceté humaine, les personnes n'ont rien à voir, mais les conséquences sont dramatiques dans les deux cas. Alors, je voudrais d'abord commencer par cet étonnement de Dieu. Tu n'étais pas là pendant l'Holocauste, dans le goulag soviétique. Face à Mao Tse-tung ou d'autres super assassins de notre histoire récente, sans même parler de la longue histoire humaine. Pourquoi avoir créé le monde qui se permet un tel mal? Pourquoi ne pas intervenir? Pour y mettre fin. La réponse n'est pas difficile. Parce que dans la création de l'homme et de la femme, parce que dans la Genèse, on dit « il a créé l'homme et la femme », ils sont sur le même plan. Puis après, on l'a oublié pour quelques milliers d'années, dans l'image de Dieu. Quelle est l'essence de cette création de l'homme dans la vision biblique? Il y a certaines caractéristiques. La première, c'est que l'homme, tel qu'il est né, tel qu'il est créé, a la capacité de distinguer entre le bien et le mal. Prenons le premier assassin, lorsque Caïn tue son frère Abel. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? J'ai quelques doutes, mais non, je plaisante. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Caïn conteste la sévérité de la punition, mais il ne dit jamais « Seigneur, tu ne m'as pas dit qu'il était interdit de tuer quelqu'un », parce qu'il comprend. Et c'est le sens de l'histoire, de cette histoire, que le fait d'être un être humain donne la capacité de distinguer entre le bien et le mal. Et Caïn, en tant qu'être humain, savait que c'était quelque chose d'interdit, d'immoral, qui n'était pas éthique. Donc la capacité de distinguer entre le bien et le mal
fait partie de notre ontologie humaine. Voilà la première caractéristique. La deuxième, qui n'est pas moins importante, c'est que nous avons le choix, la liberté. Et Giussani a beaucoup insisté sur ce point. Nous avons la liberté de choisir de faire le bien ou de faire le mal. Ce n'est pas seulement une capacité cérébrale de distinguer, de dire cela est bien et cela est mal. Mais dans notre comportement, nous pouvons choisir d'être bon ou d'être mauvais. Et c'est une partie essentielle de ce que signifie être un homme ou une femme, un être humain dans ce monde créé par Dieu. Et cela a également un sens logique. Parce que si le commandement le plus important, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, si même là il y a un choix, si on n'a pas la si nous avons la capacité de dire non à Dieu, si nous n'avons pas cette capacité, notre oui n'a pas de valeur si nous sommes programmés. Alors, dans la vision biblique, cette liberté de choisir, de faire le bien ou de faire le mal, fait partie du sens du fait d'être humain. Il y a une conséquence sociale et individuelle très importante dans cette affirmation de l'ontologie humaine dans la vision biblique. Cela signifie que la responsabilité dans le monde de faire en sorte que l'on ait un monde bon, éthique, ou un monde mauvais, cela ne vient pas de Dieu. C'est la responsabilité de l'homme. J'ai lu récemment un livre absolument merveilleux qui laisse bouche ouverte, une merveille justement, quelque chose de sublime, d'une auteure polonaise qui a remporté le prix Nobel l'année dernière, Kolga Tokarczuk. Et c'est un livre qui s'appelle Le livre de Jacob. Et dans ce livre, un passage se pose ce problème. Les théologiens, les philosophes le définissent ainsi. Ils disent « Nous croyons à un Dieu omnipotent, puissant, et nous croyons que Dieu est bon, c'est un Dieu d'amour. Donc s'il permet le phénomène des nazis, cela signifie que soit il n'est pas capable d'y mettre fin, et alors il n'est pas tout-puissant, et s'il en a la capacité de le faire, il ne fait pas, alors que ce n'est pas bon. » Alors, Tokarczuk, cet auteur, pose le problème en ces termes. C'est quelque chose de fantastique, cela vaut vraiment la peine de lire ce livre. Et la réponse qu'elle met dans la bouche de l'un des personnages du livre, c'est que Dieu dit « J'avais un choix. Créer un monde où il n'y a pas de mal, mais à ce moment-là, on n'aurait pas eu des êtres humains, on aurait eu des robots, sans la capacité de choisir, la liberté de décider le monde qu'il voulait. Et si j'avais eu à choisir entre un monde où il n'y a pas de mal et un monde où il y avait des êtres humains, j'ai préféré avoir un monde avec des êtres humains. » Donc voilà le premier sens de l'émerveillement, l'étonnement. Alors, maintenant, à mon avis, voici le sens de l'émerveillement, de l'étonnement que implique Heschel. Ce n'est pas seulement la responsabilité de l'homme de choisir le monde dans lequel nous vivons. Mais face à la méchanceté, au mal humain, c'est là que Dieu nous invite à nous étonner. Et l'étonnement dans ce cas, ce n'est pas une cascade d'eau, ce n'est pas le Mont Blanc, ni même la région amalfitaine. C'est le comportement humain qui
amène à l'étonnement et qui produit le sentiment du sublime. Et là, je peux citer un exemple de mon histoire familiale. Parce que je pense qu'il montre ce sens de l'étonnement, de l'émerveillement. J'ai des parents italiens qui vivent à Trieste. Cela fait très longtemps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été cachés dans une église catholique pendant 3 ans. Les gens ont risqué leur vie pour cela, parce que s'ils avaient été pris, surtout lorsque le régime a changé et que les Allemands sont arrivés, tout le monde aurait été tué pour avoir caché cette famille juive. Mais ils l'ont fait. Voilà une merveille. Voilà une merveille qui n'existerait pas si le monde n'avait pas été créé en ce sens. Face à la méchanceté, au mal humain, l'humanité peut émerger. Et voilà le sublime. Ce comportement nous explique ce que signifie que l'homme est créé à l'image de Dieu. Nous avons la capacité de ce type de merveille. Mais le fait de le réaliser, voilà la vraie merveille. Et je pense que c'est le sens de l'emploi du mot sublime chez Heschel. Non pas la nature, mais le comportement humain. Mettons cela de côté, parce que la situation du Covid ressemble davantage au deuxième exemple que j'ai cité, le tremblement de terre, etc. La nature ou la méchanceté humaine n'a rien à voir. Ici, nous pouvons nous en prendre à Dieu et dire « mais la nature, elle t'appartient, donc on ne peut pas donner la responsabilité à des gens mauvais ». Alors là, un instant, je voudrais citer un nouveau passage du livre de la Genèse, parce que la première catastrophe naturelle, c'est le déluge. Et le déluge, tel qu'il est décrit dans la Genèse, tout le monde sait ce que c'est que le déluge, n'est-ce pas? J'ai quelques doutes, mais bon, je plaisante. Dites-moi la dernière fois que vous avez lu le texte de la Genèse sur le déluge. Non, non, on s'en souvient bien. Une fois, au meeting, j'ai parlé aux fantastiques bénévoles. Il y en avait 500. Nous avons déjeuné ensemble. J'ai posé une petite question. Levez la main. La main, c'est ça? Qui peut lever la main? Que lèvent la main ceux qui ont lu tout l'évangile. Ça peut se faire en un après-midi parce que ils ont été honnêtes. Personne n'a levé la main. Nous avons lu un passage ici, un passage là. Mais jamais tout en entier. Bref, je plaisante. C'est pour ça que j'ai ce petit doute. L'histoire du déluge est un instrument dans la main de Dieu pour punir la méchanceté humaine du monde. Et les animaux aussi. Quelle responsabilité ils avaient? Quelle était leur faute? Et pourquoi certains ont été sauvés, on ne le sait pas. Mais il y avait l'arche de Noé, etc. Ça va le temps? Tu as encore une demi-heure. Une demi-heure? Non, non. J'ai besoin de moins que ça. Donc ils sortent de l'arche. On voit l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel apparaît. Mais je voudrais maintenant lire ce que dit Dieu après ce moment-là.
Je suis sûre que tout le monde l'a à l'esprit, n'est-ce pas? Tout à fait. Il s'agit du chapitre 8 de la Genèse, versets 21 et 22. Dieu dit, après cette expérience, jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse. Mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Qu'est-ce que cela signifie? Interprétons ce texte. L'instinct du cœur, c'est-à-dire que la méchanceté est en nous. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons aussi la possibilité de refuser, de choisir une autre forme de vie. Et là encore, Dieu annonce, dorénavant, je n'utiliserai plus la nature pour punir les hommes. Ça, c'est le verset 21. Dans le verset 22, c'est sublime. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Autrement dit, la nature suit ses règles, ses lois, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, etc. Elle n'a pas de signification théologique ou théologique. On ne regarde pas la nature, etc., ce que Dieu voulait faire avec cela. Je ne voudrais blesser personne, mais par exemple les prières pour la pluie, d'après ce texte, elles n'ont pas de sens. Parce que si nous prions et que Dieu ne donne pas la pluie, qu'allons-nous penser? Qu'il est allé se coucher? Qu'il punit les innocents parce qu'en ne donnant pas la pluie? Non, ici, Dieu annonce la nature est la nature. Elle n'a pas de valeur particulière, de signification particulière. Elle peut être heureuse, parfois on va à la mer, il y a le soleil, et elle peut être triste. Dans la nature, il y a des tremblements de terre, des tsunamis, etc. Voilà la nature. Et dans notre cas, le Covid fait partie de la nature. Je connais des rabbins et des prêtres d'autres religions qui disent « Voilà la punition divine » contre les êtres humains, à cause des mariages homosexuels, etc. Pour moi, ça, ce sont des blasphèmes. Des blasphèmes, vraiment. Alors là, il y a un autre défi qui se présente et qui nous invite à une autre forme d'émerveillement. Nous avons dit « la nature est la nature ». Je relis « tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. » Et on pourrait ajouter là encore les tempêtes et même le Covid. Alors, quel est l'émerveillement ici? À mon avis, au sens de Heschel, qui nous conduit au sublime. C'est par exemple les comportements d'infirmiers et de médecins qui, là encore, en risquant leur vie, et beaucoup d'entre eux sont morts du Covid, et malgré le risque, ils se sont mis au service de l'humanité pour réagir à ce défi qui, cette fois, est le Covid. Je me souviens très bien, j'étais ici au meeting, il me semble que c'était en 2016, et il y a eu le tremblement de terre
au centre de l'Italie. Et le grand hôtel de Rimini a tremblé. Oui, c'était un tremblement de terre dans les marches. Et ce qu'il y a eu de merveilleux, c'est que avant que les services publics n'arrivent, avant que l'État italien ne se mette en mouvement, les gens allaient sur place sans aucune obligation, simplement pour aider les gens, pour réagir à cet événement de la nature. Voilà quelque chose de merveilleux. Et je pourrais citer des milliers d'autres exemples. Voilà quelque chose de merveilleux. Et c'est sublime. Dans le monde où il y a la méchanceté humaine qui conduit jusqu'à l'Holocauste et où il y a cette nature qui fait que parfois il y a le soleil et parfois il y a l'obscurité, la capacité humaine d'essayer de se comporter d'une manière qui justifie la création à l'image de Dieu. En ce sens, je pense que c'est en ce sens que Heschel voulait dire qu'une vie privée d'émerveillement ne nous conduit pas au sublime. Et on peut le renverser et dire qu'une vie où il y a cette forme d'émerveillement humaine, pas la nature, mais l'émerveillement humain, la merveille humaine, cela nous conduit au sublime. Merci à tous. J'ai donc une question. Tu as parlé des infirmiers et des infirmières qui ont aidé les malades. Et tu as parlé aussi d'autres moments dans l'histoire où des personnes se sont mises en mouvement pour soutenir ou sauver des personnes. Pourquoi ont-ils fait cela? Est-ce que il y avait quelque chose de merveilleux qui leur a permis de voir dans les autres quelque chose de merveilleux? Pourquoi les psaumes, par exemple, sont-ils pleins de louanges envers Dieu pour la nature qu'il leur est donnée? Il y a beaucoup de psaumes qui remercient Dieu, qui reconnaissent dans la création, le créateur. C'est-à-dire un émerveillement qui n'est pas un fin en soi, mais qui est la reconnaissance de Dieu. Il est plus facile de répondre à la deuxième question. Ce que j'ai dit, en suivant mon interprétation de la pensée de Heschel, n'exclut pas d'autres formes d'émerveillement. Au début de mon petit discours, j'ai dit que lorsqu'on parle d'émerveillement et de sublime, on pense immédiatement aux psaumes, à la création, fantastique, etc. Et il n'y a pas de doute qu'elle est merveilleuse. On écoute, par exemple, les noces de Figaro de Mozart et on parle de sublime, de divin. On voit des choses fantastiques de la nature. Et on voit tout de suite quel émerveillement, quelle création fantastique. C'est vrai, c'est merveilleux, c'est une merveille, et cela peut apporter ce sens du sublime. Mais Dieu lui-même qui a créé tout cela, dont le roi David dans les psaumes parle, a aussi créé le tremblement de terre. Il a créé aussi le Covid, le tsunami. Voilà le défi. Et c'est à ce défi, sans exclure l'autre forme plus classique, qui nous ferait dire comme Dieu est grand d'avoir créé cette nature merveilleuse. Mais il y a aussi le côté obscur de la nature. Voilà le défi. Ce dont j'essaie de vous convaincre,
c'est que le véritable émerveillement, en fin de compte, c'est l'être humain, créé à l'image de Dieu, qui peut répondre à ses défis, comme dans les exemples que j'ai cités. La première question est plus difficile pour moi. Je ne sais, c'est italien ou espagnol? J'essayerai, il cherche ses mots. Je tenterai une spéculation. Il y a deux éléments. Le premier vient de notre expérience personnelle. Il y a un tremblement de terre. Il n'y a pas de voix en toi, sans voir personne, sans entendre personne, sans aller à l'église, n'y a-t-il pas une voix en toi qui te dit « tu sais très bien ce que tu dois faire maintenant, il faut que tu ailles aider et si tu ne peux pas le faire directement, tu dois donner de l'argent, tu dois faire quelque chose, tu ne peux pas rester là ». Alors je pense que ça fait partie de l'ontologie humaine qui peut distinguer entre le bien et le mal et savoir ce qu'il faut faire dans une telle situation. De l'autre côté, la vie sociale est importante parce que la vertu humaine est quelque chose qui s'apprend lorsque l'on voit des exemples. Et dans vos traditions, il y a les saints, etc. Ils ne se contentent pas de nous enseigner ce qu'il faudrait savoir, mais ils nous enseignent qu'il ne suffit pas de savoir ce qu'il faudrait faire, mais le faire aussi. Donc, il y a quelque chose. En quelque sorte, l'exemple de l'autre nous aide à répondre à la voix qui en nous a déjà dit ce qu'il faudrait faire. En ce sens, la pression sociale n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. Malheureusement, c'est tout ce que je peux répondre à ta première question. Bon, alors, je vais insister. N'y a-t-il pas dans la vie de chacun d'entre nous un moment ou beaucoup de moments, certains moments sont plus importants que d'autres, où on reconnaît vraiment, par exemple face à un enfant ou face à des personnes qui ont fait des actes héroïques, n'y a-t-il pas un émerveillement qui nous fait regarder au-delà, c'est-à-dire comment c'est possible? La même question qu'on a face à la violence ou un tsunami, comment est-il possible? On peut l'avoir aussi face à des choses belles, par exemple, comment c'est possible que tu existes, que j'existe. L'émerveillement n'est pas juste un sentiment, mais une prise de conscience qui nous fait comprendre que les choses ne sont pas évidentes, banales. Et on commence à regarder le monde avec une question étonnée, ouverte, qui nous fait ensuite regarder à l'origine de tout cela. Toi, tu insistes sur la question. Et moi, j'insiste sur la réponse. Alors, comme j'ai dit, je ne voulais pas te donner d'explication exclusive sur l'émerveillement et sur le sublime. Moi, j'ai toujours été jaloux de ma femme parce qu'elle pouvait accoucher, c'est-à-dire vraiment donner la vie. Et ça, c'est un privilège, je dirais, de la femme. Mais moi, j'avais un avantage. Que le premier à toucher et embrasser le nouveau-né, les 5 enfants, c'était moi. C'est moi qui l'ai porté dans les bras de ma femme. Donc j'avais le privilège d'être le premier être humain que mon enfant voyait. Et ça, c'est merveilleux, c'est le mystère de la vie. Comment est né ce nouvel être humain, mon fils, ma fille, etc. Je partage cela avec toi. Mais j'insiste, mes enfants sont tous saints, n'est-ce pas? Ce sont tous des saints et des saintes. Mais ils sont nés aussi comme des monstres. Hitler aussi est né. Il y a eu aussi des monstres qui sont nés.
Si je m'émerveille, si je m'étonne de cette création, je dois aussi m'étonner du deuxième sens que j'ai expliqué. Je m'étonne de la belle nature, mais aussi de la nature cruelle, entre guillemets. Je m'étonne du mystère de la vie, mais aussi du mystère de la méchanceté qui fait partie, elle aussi, du sens de l'homme. Et en voyant que notre instinct immédiat, lorsqu'on parle d'émerveillement, de stupeur, de sublime, est toujours de penser à ces moments, la naissance d'un nouvel être humain, la beauté de la nature, la grandeur de la nature, aujourd'hui je tenais à souligner l'aspect sombre. Et je crois que c'est là que se cache une forme d'émerveillement et de sublime, qu'il faut aussi apprécier, en particulier dans des moments comme celui que nous traversons cette année avec la pandémie. Je comprends très bien ce que tu soulignes, parce que, en fait, quand on a pensé à ce titre, beaucoup de personnes ont dit, mais vous parlez d'émerveillement, et j'en ai parlé avec quelqu'un ce matin, vous parlez en ce moment d'émerveillement, comment est-il possible ? Ce que j'ai appris est que le fait d'avoir eu des moments d'étonnement et d'émerveillement positif, c'est ce qui nous permet aussi de ensuite relever les défis qui sont comme des moments d'épreuve. Tu as parlé des camps de concentration, des gulags. Nous avons des exemples des personnes qui ont fait des actions héroïques pour aider les plus démunis et ceux qui allaient mal. Et ils l'ont fait, et certains en ont témoigné, grâce à l'expérience d'émerveillement qu'ils avaient fait. Et ils disaient que leur force naissait de cela. C'est possible. Je suis sûre que pour beaucoup, c'était le cas. Je ne voudrais pas contester et dire « ce n'est pas possible ». C'est tout à fait possible. Mais c'est un peu un mystère. Ta deuxième question, dire d'où cela naît. Un élément important est que nous avons fait cette expérience de l'étonnement, de la grandeur du monde dans lequel nous vivons. Je ne peux pas le nier, même en parlant de personnes qui ont la foi ici, ce qui va de soi, n'est-ce pas ? Excusez-moi. Dans ces situations terribles, les gens qui n'ont pas perdu la foi, qui sont allés jusqu'à la mort en affirmant la foi, voilà encore un émerveillement, voilà encore du sublime. Et cela vaut la peine de le mentionner. Cette alliance, cette fidélité au Tout-Puissant malgré les défis que lance la vie. Cela qui pourrait nous faire poser la question « Dieu, où étais-tu ?» Les martyrs. C'est une merveille, l'Église le dit explicitement. Je voudrais te poser une autre question qui a toujours à faire avec une phrase de Hechel. Il dit « La manipulation complète du monde se traduit dans la complète instrumentalisation du soi ». C'est une réflexion qu'il a fait par rapport à la situation culturelle de notre époque, c'est-à-dire l'idée de pouvoir mettre le monde sous notre contrôle d'un point de vue technologique et scientifique, qui a comme conséquence la manipulation du soi. Cette idée de s'approcher au monde avec un sentiment de possession et de le soumettre à nos mesures est née peut-être d'un manque d'émerveillement. C'est-à-dire, on a une approche vers le monde qui ne part pas de la stupeur
Et donc, on perd peut-être le vrai sens de ce qu'on a devant nous. Qui sait ce qu'aurait dit Heschel s'il avait vécu avec Internet, Facebook et toute cette réalité digitale? Pour moi, c'est une spéculation. Il ne s'agit pas seulement d'instrumentalisation, ou bien il y a une autre manière d'exprimer cette idée. C'est que l'on perd la souveraineté. De plus en plus, on dirait qu'on ne prend pas de décision autonome, à la fois dans le sens de Kant et dans le sens de la Genèse. La décision de Ève, la décision d'Ève de prendre le fruit interdit, c'était une décision autonome. Elle témoignait de son autonomie morale. Désobéir, c'est un signe de souveraineté. On pourrait discuter jusqu'à demain de dire si c'était une bonne chose ou une mauvaise. Et je suis certain que nous ne serions pas d'accord. Donc il vaut mieux ne pas ouvrir ce sujet. Nous le ferons une autre fois. J'ai déjà fait une leçon sur ce sujet au meeting et j'ai vu la réaction des gens qui étaient un peu réticents. Mais c'est le meeting pour l'amitié entre les peuples, donc on peut aussi ne pas être d'accord. Mais l'instrumentalisation est le danger le plus grand, c'est de nous faire perdre cette autonomie. Au lieu d'être souverain, de perdre nous-mêmes la décision, de prendre nous-mêmes la décision pour notre vie, avec notre volonté, notre conscience, c'est moi qui décide de mon destin, comment je veux vivre cette vie, comment je veux me comporter, ce que je veux faire. Au lieu de cela, on devient de plus en plus dépendant de toute cette technologie, comme une addiction. Nous pensons parfois prendre des décisions autonomes, mais en réalité, nous sommes manipulés par l'instrument. Alors, je ne sais pas, parce que Heschel ne vivait pas la réalité d'Internet. Mais même dans sa propre vie, il a été l'un des leaders, l'un des premiers à aller marcher main dans la main avec Martin Luther King. Un émerveillement sublime. Ce qui a été fait face à une société raciste, etc. Et c'était dangereux même à cette époque. Alors, je pense qu'il aurait protesté pas tant sur l'instrumentalisation, mais sur la conséquence de l'instrumentalisation, c'est-à-dire que l'on perd notre souveraineté d'être maître de notre destin, de décider nous-mêmes. Et il y a beaucoup de signes de cela chez Giussani et également chez les deux papes Jean-Paul II et Benoît XVI. Lorsque Benoît XVI a dit, en écho à Jean-Paul II, la liberté la plus importante est la liberté religieuse, et avec courage, dans le discours de Ratisbonne, il a dit que la liberté était de dire non à Dieu, parce qu'il a bien compris que la décision de dire oui à Dieu doit être une décision souveraine. Je sais que c'est mon choix et je décide l'imitatio Dei, l'imitation de Dieu. Je ne suis pas programmée. Et cette instrumentalisation dans notre vie prend de plus en plus de place. À ce sujet, il y a un texte de Dostoïevski, le grand inquisiteur, qui refuse Dieu. Parce qu'il a dit, tout nous a donné la liberté. S'il n'y avait pas de liberté, il n'y avait pas le risque
du bien, le risque du choix entre le bien et le mal. Et là, voilà une autre merveille. Comment une personne aussi mauvaise que Dostoïevski pouvait écrire un roman aussi sublime? Seul Dieu peut répondre à cette question. Et il y en a des exemples de ce type. Des gens mauvais qui font des créations sublimes. Wagner, par exemple. La liste est longue. Peut-être parce que chez beaucoup d'entre eux, il y avait une graine de l'émerveillement. Excuse-moi, je suis trop liée à l'Ancien Testament. Je n'oublie pas et je ne pardonne pas. L'humanité ne va pas mourir pour manque d'informations, mais on pourra mourir pour un manque d'appréciation. Voilà une autre phrase d'Eschel qui dit que la connaissance en soi ne suffit pas. Si, tu peux terminer la phrase. Si, à toi de me dire. L'information, la connaissance en soi, si elle ne devient pas une conscience de soi et du monde, ne change pas, ne provoque pas un changement. Et il dit que cela naît de la reconnaissance de quelque chose, donc d'un émerveillement. Mais il avait une perception très intéressante de la connaissance du savoir, Heschel. Les philosophes parlent de l'épistémologie, comment nous savons. Heschel écrivait, je pense que les deux livres les plus importants de Heschel, si vous voulez le livre, les deux livres les plus importants s'intitulent « L'homme n'est pas seul ». Et ce livre est compréhensible, « L'homme n'est pas seul parce que Dieu est là ». Et le deuxième livre est beaucoup plus provocateur. Dieu est la recherche de Dieu dans la recherche de l'homme. Qu'est-ce que cela signifie? Et je pense l'avoir expliqué indirectement, parce que Dieu est là à attendre que nous faisions les bons choix, que nous vivions tout le potentiel sublime de l'être humain. Mais son premier livre s'appelait Les Prophètes. Il est un peu plus difficile. Mais il y a un paragraphe, en réalité c'est la seule chose dont je me rappelle vraiment de ce livre parce que je l'ai lu il y a 30 ans. Il dit, il y a deux manières de connaître le monde. L'une est cognitive, cérébrale. Nous voudrions savoir quelque chose sur l'amour, nous pouvons lire un essai de Stendhal sur ce qu'est l'amour ou une poésie de Shakespeare sur l'amour. Mais il dit, tomber amoureux, c'est bien autre chose. On comprend et on connaît l'amour de manière totalement différente à travers l'expérience de tomber amoureux. Et je pense que cela correspond beaucoup à la dernière citation. Parce qu'il ne suffit pas d'expliquer à une personne ce qu'est l'amour. Il faudrait l'aimer, il faudrait qu'il sente cette appréciation, ce sentiment. Et ce n'est que comme cela qu'il le comprendra. Mais donc, je rebondis. Selon toi, une personne qui le soir regarde le ciel étoilé, en pensant au fait que c'est des étoiles qui sont à 15 milliards d'années-lumière de nous, selon toi, cela n'ouvre-t-il pas le cœur à reconnaître quelque chose, à reconnaître qu'il a une ouverture qui ensuite lui permet de relever les défis dont tu as parlé. Je renverse cet exemple. L'homme voit ses étoiles à 15 milliards d'années-lumière. Nous ne pouvons vraiment pas comprendre, même pas Einstein, ce que signifie l'infinité. Mais tu es très attachée à cela. Mais moi, je suis plus impressionnée, plus surprise de penser à cette église catholique à Trieste qui a sauvé la vie de ma famille.
Après, je m'étonne aussi des étoiles, de l'infinité, etc. Mais moi, je renverse les deux choses. Ce sont deux émerveillements. Je suis très, très intéressée à comprendre, selon toi, d'où et pourquoi cette famille qui a risqué sa vie pour sauver une autre famille a pris cette vertu et la capacité de le faire. De l'intérieur, de l'éducation. C'était de bons chrétiens. Ce n'est pas regarder les étoiles. Je plaisante. C'est regarder les étoiles en soi. C'est une plaisanterie, excuse-moi. Je pense que dans ce dialogue, nous avons bien compris que le titre de ce meeting est une grande provocation. Fantastique. Déjà, choisir Heschel, parce que c'est vraiment un penseur très important, à la fois sur le plan philosophique que sur le plan théologique. Cela vaut la peine de le lire. Et puis, mettre cette phrase dans une période de Covid, c'est un défi. Un défi très évocateur. C'est pour cela que j'étais content quand vous m'avez proposé d'intervenir. Et je l'ai dit tout à l'heure, je dois dire que je trouve merveilleux que vous ayez insisté pour avoir le meeting. Revenons à ce texte. Tant que la terre durera, semaille et moisson, froidure et chaleur, été et hiver, et le meeting ne cesseront jamais. Je pense que le désir le plus grand qu'on pourrait se souhaiter. Donc, à la prochaine année. Je te remercie. N'oublie pas de m'inviter. Tu as déjà reçu l'invitation maintenant. Merci beaucoup pour ce dialogue, pour tes provocations. Provocation ? Non, non, je plaisante. Mais provoquer signifie faire surgir des questions et nous faire prendre conscience de ce qui se passe dans notre vie. Parce que ce qui est beau dans un dialogue, c'est qu'on s'enrichit mutuellement. Cette nuit, je regarderai les étoiles plus attentivement. Donc, merci à tous pour votre participation et bonne continuation de ce meeting. Merci beaucoup. Come si fa ora? Sì, si fa così. Grazie. Days are